Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Cette fois, je suis obligé de vous dire que j'ai commencé dans l'idée de faire un dirty pouring, un coulage acrylique, un coulage fluide. Ce que je voulais faire, je suis obligé de vous dire, je voulais revisiter la silhouette. Hein? Mais ça fait longtemps que je pensais, je voulais faire quelque chose d'autre, une silhouette, avec plus d'informations sur la toile, avec plus de sujets, disons. Qui se rapprochait du réalisme. Par contre, ce que je voulais faire, c'était le ciel et la terre. Alors, comme vous voyez, là, au moment où je vous parle, j'ai seulement commencé le background. Mais je me suis rendu compte que pour faire le soleil et le sol, comme je voulais faire, je suis obligé de vous avouer là, que pour faire le soleil, j'aurais peut-être pu y arriver, là, mais je pense que ça m'aurait pris une semaine parce qu'il aurait fallu attendre que plusieurs couches allaient des extrémités, m'as-tu de l'avoir, des extrémités aller au centre, chaque couche aurait pris une période de séchage. Ça n'avait pas de bon sens. Puis je ne suis pas sûr que ça aurait atteint l'objectif que je voulais d'un réalisme plus intéressant. Alors écoutez, on va voir ce que ça va donner. On va faire, là vous allez voir, là, c'est ma petite cowgirl, une silhouette que j'ai pris. Mais c'est quand même pour vous prouver, par contre, qu'on peut faire du réalisme, mais de façon sensiblement simple. C'est-à-dire que on prend une silhouette. Hein? Avec une silhouette, on n'a pas besoin de rentrer les détails à l'intérieur. Alors, ça devient une silhouette qui est ombragée. Fait que, je trouve ça intéressant, puis ça nous rapproche vraiment de la réalité. Alors, vous allez voir, avec ce que j'ai essayé comme technique, ça n'a pas fonctionné. Fait que vous allez voir, je vais réchapper le tout, et puis on va s'approcher du réalisme, puis ça va me faire du bien un peu de sortir un petit peu de l'abstrait. Hein, une fois de temps en temps, ça ne fait pas de tort. Alors, vous allez voir, là, mon soleil, je vous le dis tout de suite, là, je le fais de façon très spéciale. À chaque fois, j'utilise une technique différente. Fait que, demandez-moi pas la technique, parce que comme je vous dis, c'est selon ce que je file, le feeling du moment, là, je ne sais pas. Là, je suis obligé de vous dire que j'ai jamais utilisé la même méthode deux fois. Ou si con que ça paraisse, je ne sais pas. Mais à chaque fois, je peux juste vous dire que je suis quand même assez satisfait. Alors, on va voir si cette fois, ça va encore nous prouver que je vais être satisfait. Hein? Ça reste à prouver. Alors, on s'en va essayer de ça tout de suite. Puis, je vous dis, là, c'est un petit peu plus laborieux, mais on n'est pas dans l'abstrait tout à fait. Alors, on y va. Thank you.
Bon, eh bien, comme vous avez vu, c'est quand même assez laborieux, mon affaire. Quand je fais du réalisme, là, ça n'a pas de bon sens. Il faut que je me mette des paramètres à un moment donné, il faut que j'arrête parce que je suis jamais capable d'arrêter. Comme vous avez vu, quand je fais le soleil, le ciel et tout ça, c'est toujours problématique pour moi parce que je suis jamais vraiment satisfait. Je suis obligé de vous dire que j'envie les artistes qui font un ciel seulement qu'avec 3-4 coups de pinceau, puis c'est écœurant, comment c'est beau, là, ça a l'infini, c'est impressionnant. Je les envie parce que je suis pas capable. Je vois le détail, je vois le vous savez, c'est comme au début quand j'ai commencé à peindre, ce qui m'a arrêté souvent, parce que depuis que j'étais jeune, j'ai toujours dessiné, griffonné si on veut, des dessins ici et là, je dessinais des silhouettes, des personnages. Ce qui m'a toujours arrêté de faire des paysages, c'était lorsque je voyais un arbre, ma première idée c'était d'essayer de dessiner feuille par feuille. C'est carrément impossible. C'est là qu'on apprend certaines techniques. Mais je suis obligé de vous dire que c'est encore quelque chose que je suis obligé de combattre parce que ça m'arrête à bien des égards, parce que je vais voir des détails. Là, je suis obligé de vous dire que le visage de ma petite cowgirl, j'y étais à la loupe pour essayer de faire le nez, puis le menton, puis tout ça. Je suis obligé de vous dire, ça frise le pas plaisant, là, mais quand on voit le résultat, là, je suis obligé de vous dire que... Savez-vous qu'est-ce qui est drôle? On est toujours... Même si c'est nous qui le fait, on est toujours comme étonné. Vous savez, un autre truc de la peinture traditionnelle, si on veut, du réalisme, il ne faut pas se décourager. Parce que quand on commence au début, comme vous avez vu, ça peut être décourageant. Parce qu'on ne voit pas le fini. Vous savez, ça ferait vraiment opaque, ça ferait vraiment 2D. Mais pour lui donner de la profondeur, pour lui donner de la vie, c'est là qu'il faut jouer avec les ombrages et les lumières. C'est ça qui donne... qui ressort la peinture et le sujet de notre peinture, c'est les ombrages, c'est le jeu qu'on donne à notre acrylique. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez vu. Comme je vous ai dit, j'ai bien de la difficulté. Moi, je ne fais jamais un soleil ou une lune ou un coucher de soleil ou un lever de soleil. C'est bien, bien rare que je fais deux fois la même chose. En fait, je ne fais jamais deux fois la même chose. On dirait que chaque toile, elle a son identité pour moi. C'est pour ça que je ne fais jamais deux toiles de la même façon. C'est curieux, là, mais c'est comme ça. Moi, j'ai toujours fait, vous savez, même quand j'ai un sujet qui est important, j'ai toujours fait le ciel, et après, je vais faire mon sujet par-dessus. Parce que pour moi, dans ma tête, dans la réalité, en arrière du sujet que l'on peint, il y a une immensité, il y a le ciel qui est toujours là, pareil. Vous savez, c'est peut-être psychologique, vous allez dire mon affaire, là, mais... Pour moi, c'est important de le faire ainsi. Puis c'est pour ça que je trouve que chaque toile, elle a sa propre vie, hein, sa propre identité, même lorsqu'on fait quelque chose de très, très différent que de l'abstrait en réalisme. Alors, écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Comme je vous dis, là, c'est un petit peu compliqué. Là. C'est compliqué, puis ça ne l'est pas trop. Je veux dire, je pense qu'en fin de compte, c'est plus de la patience. Vous avez vu quand cette méthode-ci que j'ai faite pour mon lever de soleil, c'est au centre, c'est toujours le plus blanc possible. Et puis, plus que vous vous éloignez du soleil, plus que vous allez vers les couleurs foncées. Le choix de couleur vous appartient. Il n'y a pas d'erreur là-dedans. Là. Parce que, écoutez, là, j'ai vu des grands peintres qui font des ciels mauves, oranges, puis tout ça, des choses qu'on ne voit pas tout à fait vraiment dans la nature. Mais c'est une petite beauté incroyable. Fait que c'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup de choses qui appartiennent à l'artiste même, mais que c'est important d'y aller peut-être avec une certaine base. Comme vous avez vu, l'acrylique, encore une fois, pour moi, pour le travailler pour faire la dégradation ou la gradation, si vous voulez, autour du soleil, bien, pour moi, c'est important de le faire de façon à ce que chaque couche que je faisais était sec. Mais il y en a qui font carrément le contraire. Puis ça, je vous dis, à chacun sa méthode, il faut que vous trouviez votre façon de le faire. Puis comme vous avez vu, moi, je préfère travailler mes toiles à plat. Un trépied, pour moi, n'est pas la solution. J'aime pas ça. J'aime pas avoir le bras qui pend dans les airs. Quand je peins, j'aime avoir mon avant-bras qui est à côté. J'ai un meilleur contrôle de mon pinceau, si vous voulez. Puis ça, c'est du cas par cas. Hein? C'est pas parce que vous voyez des peintres avec des chevalets que vous êtes obligé d'avoir un chevalet automatiquement, là. Et si vous aimez mieux, vous êtes plus à l'aise sur une table, comme moi,
vous mettez votre toit sur une table, puis vous la faites comme ça. Là. C'est pas plus compliqué que ça. On fait ce que l'on veut, dont la façon qui est la plus confortable pour nous. Fait que c'est pas compliqué. Fait que, en tout cas, là, je suis en train de prendre du temps épouvantable. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez l'essayer, parce que ça fait changement un petit peu de sortir de l'abstrait. Trompez-vous pas, l'abstrait épouvantable, mais c'est beau ce qu'on fait là, en abstrait, en coulage acrylique et tout. Mais ça fait du bien, des fois, d'aller dans les réalismes un peu, puis de cette façon, en n'étant pas détaillé dans une figure précise, ben, je suis obligé de vous dire, c'est le fun de faire une petite silhouette là, qui est dans un ombrage. En tout cas, encore une fois, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez revenir, comme toujours. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se voit au prochain vidéo. Attention à vous. Bye.